Putain, mais à chaque fois je me cours de rue en fait. Chier. Oh là là, c'est quoi ce monde là? Mais y'a du monde là. Yo! Salutations! Salut à toi. Papa ours. Où ça? Là, ils sont tous devant chez nous. Oh, c'est pas encore chez nous. Salut! Ah, mais. Là, fiesta dans le coin quoi, on a entendu de la musique là. Ah ça y est. Bonjour, copain. Messieurs. Ah mec, bonjour, c'est les Panzani hein, les papas oursins. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ah, on comprend pas trop ce que tu me dis. Oh. Problème de corde vocale ou bien. Donc, Roberto a un petit problème, hein. Le chef de... Attention, monsieur, poussez-vous de la route, vous allez vous faire écraser. Ah, ok. Écoutez, y a pas de problème, hein. on est pas venu ici pour qu'il y ait des représailles ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut vous inviter dans la maison? Vous inviter dans la maison? Bah, nous, on passait comme ça, on a vu du monde, on s'est demandé ce que vous faisiez. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Parce qu'en fait, je pensais que bon, mais vous voulez discuter avec nous. De par rapport à Jésus. Je pense que bon, mais ça devient nécessaire d'avoir une explication. Ah, tout à fait, ouais. Les personnes concernées sont pas là, donc on parle pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'il y ait ça vous dit qu'on se retrouve un terrain neutre et qu'on puisse en parler, en discuter et voilà. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ce soir, il y a des cousins qui n'auront pas pris l'avion et ça serait bien qu'ils prennent l'avion pour pouvoir discuter tous ensemble. Après, s'il peut. Vous pouvez les briefer après, vous voyez, on va juste parler là, on fait pas trop fourrer, vous inquiétez pas. Ouais. On peut pas rester. On est vraiment là pour parler, pour discuter et essayer en fait vraiment d'atténuer les tensions qui sont parties peut-être un peu loin, monsieur Lopez. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, voilà. Vous devez être au courant que j'ai perdu deux hommes quand même. Totalement. Bon. Jusqu'à ce que là on n'avait pas prévu, mais je vais en discuter deux petits mots là derrière ma voiture avec mes collègues là. Savoir si... Allez, pas de problème, monsieur Lopez. Ça marche. Ça te dit quoi alors? Tenez, on s'arrête 5 minutes pour discuter ou pas? Moi, je suis pas chaud. Ça sent l'arnaque, tu sens? Ouais. Parce qu'après, moi, si il me file mon RP, t'as vu, Joe, il est mort. Bah, c'est ça. C'est ça le problème. Qu'est-ce que je vais lui placer? Il faudrait qu'on lui dise quoi. Non, tu dis que monsieur Kero devait faire le comment ils appellent ça? Le briefing quoi. Ouais, le modérateur en gros. Oh, ah la salope, putain, elle m'a accroché le genou. Ah, il faut faire attention, les voitures passent vite ici hein, messieurs. Ah ouais, attends, t'inquiète, je viens d'envoyer un message à Kero. Ah, c'est à vous la baraque là? Sinon sort de la voiture gros, deux secondes. Sorte de voiture, José, on va voir. Oui, c'est la nôtre, oui, monsieur, ouais. Monsieur, ah, c'est la leur, ok, d'accord. Ah putain, ça va, les affaires me tournent bien, là. Bonsoir. Alors, on fait quoi, voilà. Attends, j'attends un retour de Kero. Eh bah attends, mais ils se l'ont approprié, déjà, la baraque, là. Vous l'avez acheté, la maison, monsieur? Eh, c'est la nôtre, ouais. D'accord, parce que nous avons été voir l'avocat pour justement l'acheter et il nous a dit qu'il y avait personne qui l'avait acheté. N'inquiète pas. Bon, dis quoi, on... Après, sans savoir que c'était vous qui l'aviez, donc voilà, tout à fait. Ah, ça fait un mois et demi qu'on l'a acheté, monsieur. Un mois et demi. D'accord, ok, bah écoutez, je vais voir, on va en parler avec l'avocat et il n'y a pas de souci, on se trouvera une autre maison. Qu'est-ce que vous avez décidé, messieurs? Est-ce qu'on peut discuter maintenant à l'intérieur? On se pose, on prend un petit café et on discute de tout ça? Ouais, je suis sûr. Non, ça va être compliqué. Les personnes concernées qui pourront aussi se défendre des actions qui ont été faites ne sont pas là et. Voilà.
Et je voudrais qu'ils écoutent aussi ce que vous avez à dire. Je veux pas dire qu'on n'a pas confiance en vous, mais bon, on sait jamais quoi. Comme vous, si vous étiez tout seul, venir nous voir à trois, vous auriez peut-être pas spécialement confiance avec les tensions qu'il y a entre les deux familles. Totalement, ouais, totalement. Ouais. Voilà, donc vous pouvez comprendre que malgré que votre invitation est fort aimable, on soit obligé de la refuser. Mais demain dans la journée, y a pas on de va problème, essayer de... Vous pouvez de nouveau nous recontacter. Sachez que bon, mais on ouvre le dialogue avec vous et qu'on veut arrêter toutes ces tensions. On est là pour faire du business, on n'est pas là pour tuer des gens. Et continuer comme ça. Voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voulez ma carte et je vais prendre la vôtre comme ça. Dès qu'on se revoit en ville, on se tient au courant et dès qu'il y a les familles qui sont au complet, on en reparle. Pas de problème, je vous la donne. Voilà. Avec bien sûr des personnes neutres entre nous, histoire d'apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir entre plusieurs personnes, quoi. La corpo s'est portée volontaire justement pour faire le lien entre nos deux familles. Oui, j'ai eu un message de leur président pour justement faire une réunion avec vous, mais ce soir nous n'étions pas trop disponibles. D'accord. Bah écoutez, messieurs. Bah, bonne journée quand même. Hein. Sur ce, messieurs, à très bientôt pour la discussion. On va se retrouver bientôt. On se revoit bientôt. À très bientôt, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée et rentrez bien. Ciao. Bonne soirée à vous, messieurs. Ciao. Nous, on est arrivé en mode fanfaron. On se débarre ou pas? La baraque, c'est fini. Ah, c'est Ice Cube. Ah, voilà, nickel. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, monsieur Kero. Bonsoir, vous allez bien? Ah, bonsoir. Ça va, merci. Ça va, ça va et vous? Ça va parfaitement, merci. Ok. Ça va beaucoup mieux qu'hier, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Vlad, remis de vos émotions? Ouais. Pas de soucis. Okay. Meilleure digestion pour aujourd'hui ou pas? On le smoke, descend du coffre, on va te présenter là. Il me fait mauvaise impression là. Ah, tu voulais t'asseoir. Ouais, un petit nouveau. Ouais, on venait vous présenter. Et un petit nouveau, ouais. D'accord. Enchanté. Monsieur Cigarette. Parlez-moi, bien, vous êtes Smoke, c'est ça? Salut. Smoke. D'accord, enchanté, moi c'est monsieur Caro, ici à côté de moi, monsieur Vlad. C'est ça, plaisir d'avoir rencontré. Mais il va falloir qu'on règle tes cordes vocales. C'est un plaisir pour nous aussi. On t'entend super basse maintenant, le gars. Alors, comment dire, parlons un petit peu business, vous êtes d'accord? Ah, tout à fait, hein. Ah ouais. T'es là, José, on t'entend plus, José. Comment dire, on aurait un petit peu besoin de service à vous. Je vais vous expliquer et puis comment dire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok. En fait, comme vous en doutez, comment dire, Dieu nous a parlé, donc. Monsieur Kero, excusez-moi, je vous coupe juste deux secondes. Je fais juste un aller-retour, je sors et je reviens. J'ai un problème d'oreille interne. Ah, d'accord. Dans ce cas, on vous attend. Oui, il y en a pour 2 minutes. D'accord, parfait, allez-y, je vous en prie. On peut être privé, hein, vite fait. Hein. Pas un petit coup alors. Ah, c'est normal, ils ont tout coupé, micro et casque, José et Smoke. Mais on vous entend pas, Smoke et José. En dehors d'in-game. Ils sont en RP total, intense. Ouais, mais ils ont tout coupé, leur micro. J'ai appris que vous avoir maintenant radio sécurisé. Ouais, ça y est, on a réussi à avoir notre radio. Ouais, j'avais la musique deuxième 5M. Ah, c'est très bien, ça c'est bonne nouvelle. Ça va être plus pratique. J'allais la CB à mon... Putain, mais je t'entends trop bas. Et bientôt, le smoke, va falloir régler tes cordes vocales. Va falloir que tu prennes dans le grave un peu, là. Ah ouais? Oui, clairement. Oui, parce que, comment dire, vous commencez phrase, jamais terminé, posez un peu bouteille. Il va falloir aller mollo sur l'alcool.
On sait que t'en as pas bu dans l'avion, tu t'es retenu pendant 2 heures, mais... Quand même. Voyage pour vous bien passé, au fait, Monsieur Smoke? Comment on l'entend pas, il répond pas. J'aime pas l'avion. Ah, d'accord. Le mal de l'air, c'est un obèse. Hein. Préfère les caravanes. Oui, clairement. Les bitumes. Oui, oui, c'est sûr. Comme ça, au moins, on a plus les pieds sur terre, hein, c'est le cas de dire. C'est clair. Et comme dans une bétaillère, là. Comme un vrai José. La flicaille, ça tourne, hein, lui, donc, ce soir. Ah, c'est le bordel ce soir. Putain. Ah, il y a des gyros dans tous les sens. Et me revoilà, monsieur Kiro, désolé. Le médecin a été rapide à me recevoir. D'accord, parfait. Tant mieux, c'est bon. Ok. Attendez, attendez. Vous en faites pas, ça collègue à nous, ça. Tranquille. Ah, il se retourne dès qu'il est là. Non, c'est moi qui lui ai demandé de venir, commander pour pister alentour, si problème, d'accord? Ah, mais bah, pister. Il va le cousin. Belle voiture. Ah oui, bel engin, bel engin. Ah, c'est la Vega Missile, je crois, c'est ça? Oui, Vega Missile. La Vega Missile. Oui, Aïe, si tu peux jeter un coup d'œil au alentour, hein, voir si pas oreille qui traîne, d'accord? Que le KFC doit avoir une patte de poulet dans les oreilles. Top. Oui, oui. Trop loin. Elle dit le mot poulet, t'inquiète pas, il va t'entendre. Ah, mais regarde. C'est bon, message transmis par radio. Comment dire, donc. C'est bon, tout le monde est là, du coup, on peut commencer. Ouais, tout à fait. Parfait. Alors, voilà, comment dire, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous a parlé, Dieu, comment dire, a entendu nos prières. Et c'est bon, comment dire, pour nous, c'est bon. Par contre, nous aimerions faire un petit, manigancer un petit plan, justement, pour... récolter un maximum d'argent, oui. Ouais, ouais, ouais. Et pour que ce plan se déroule, on aurait besoin de votre famille. Okay, hein, pas de... Alors, okay, je m'explique. On est tout à l'écoute. Ouais, je m'explique. Comment dire, Roberto Panuzzi voudrait acheter le terrain de thé et voudrait que ce terrain lui appartienne. D'accord? Par contre, Roberto Panuzzi a peur que votre famille achète aussi ce terrain. Et comment dire, en gros, les premières personnes qui achètent ce terrain sont entre guillemets, premiers locataires des lieux. Donc ils peuvent instaurer taxes, etc. D'accord? Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, je crois bien qu'on en avait parlé, le thé ne nous intéresse pas spécialement. Oui, oui, c'est pour un ça. C'est un peu plus le ça. Sucre. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez faire marcher les enchères pour monter les prix, bien sûr. Exactement. Voilà, clairement. Nous souhaiterions organiser une réunion avec vous, plus famille Panuzzi. Mais vous en faites pas, hein, commandeur, vous être en sécurité, eux aussi, pas d'armes, juste discuter calmement. Ah ouais. Et parler business, d'accord? Nous aimerions que vous simulez que vous êtes intéressé par marché T et proposer une certaine somme pour ce marché, d'accord? Une grosse somme qui puisse enchaîner. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je vais commander. Permettra Roberto de vouloir mettre surenchérir sur vous, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. Et dans ces cas-là, s'il propose un prix au-dessus du vôtre, vous surenchérissez une seule fois. Il va sûrement surenchérir une dernière fois. Et puis ça sera terminé. Ok, on n'insiste pas. Ok. Voilà. D'accord. Après, comment dire? Attends, vas-y, vas-y. Après, si. S'ils mettent le prix, si vous, alors vous normalement vous allez faire une simulation, vous allez poser sur la table de BR 650 000 $. Ok. Derrière, si eux surenchérissent au-delà de 900 000 ou au-delà d'aller de 850 000, ça va être un
Je pense pas que ça servira pas à grand chose de vous surenchérisser, parce qu'ils vont quand même se douter de quelque chose, parce que ça fait quand même une grosse somme d'argent. Oui, je pense plus sage de arrêter 800 000. Clairement, si eux disent voilà, 800 000, voilà. c'est très bien, c'est parfait. Ouais, voilà, exact. Ok. D'accord, donc augmentation par palier de 50 000, commencer disons à 600 000, comme ça être à peu près raisonnable, d'accord? Ah, ou 650 direct, eux ils rajoutent 700. Ah ouais, 650. Nous, on rajoute 750 ça. Et eux ils terminent à 800. D'accord, exactement. D'accord, oui, parfait. Monsieur Kero, c'était le prix qui vous aviez annoncé la première fois, c'est ça, avant même que vous ayez les infos? Effectivement, il m'avait annoncé prix à peu près 700 000, sans manigancer quoi que ce soit, pour avoir priorité sur le marché, d'accord. Je sais très bien que vous pas intéressé par le marché, mais lui, il ne sait pas du tout, et du coup, il a peur que vous lui preniez ce marché, d'accord. Et c'est pour ça que nous aimerions lui faire cracher un maximum de pognon, hein, parce que nous aimons ça, hein, comme tout le monde, je pense. Ouais, tout à fait. Là, ça nous plaît carrément, hein. Voilà, et voilà, en contrepartie de ça, nous serions prêts à faire un prix pour le sucre à vous, c'est-à-dire à hauteur de 450 000. Impeccable. Eh bah écoutez, très c'est très, très bon prix. Très bon comment prix, dire, ça nous convient tous. Ça vous convient? D'accord, parfait. On en reparlera quand... On en reparlera plus tard, entre nous, quand si vous décidez d'acheter la blanche, on en reparlera. Pour l'instant, on est sur le coup de Roberto. Voilà, une fois que, comment dire, le problème avec Roberto est résolu, on se retourne aussitôt vers vous. Vous, avoir les fonds ou comment... Est-ce que vous avez les fonds? Ouais, on a les fonds. Alors, nous avons les fonds, mais pas en ville actuellement. D'accord, parfait. D'accord. On a compris, ça marche, pas de soucis. Ok, dans tous les cas, comment dire, nous avons déjà fait affaire, je pense qu'on peut avoir confiance mutuelle. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord, parfait. Nous apprécions travailler avec vous. Ah, clairement, et nous aussi, hein, c'est réciproque. Juste une dernière chose, lors des échanges qu'on va faire avec Monsieur Panzani, et on va éviter de faire un maximum de tension, de faire un minimum quand même. Même s'il vous laisse des piques, il vous lance des piques, on va... Alors, si vous êtes en simulation, donc ne répondez pas. Même si après, si ça part trop loin, on va intervenir. Pas de problème. Tout à fait. Mais bon, je pense que le mieux, ça serait d'avoir vos effectifs à vous lors de la transaction. Mmh. Et on va dire deux personnes de chez nous maximum et deux personnes de chez eux pour éviter toute la tension, quoi. Voilà, c'est parfait. Oui, dans ce cas, comme ça, c'est très bien. Les autres pourront entendre en haut... Ailleurs, vous aurez accès au bar, pas de soucis. On aura des hommes à nous en haut. Ça marche, impeccable. Je pense que c'est un... Ça va être plutôt pas mal, pas de soucis. Il n'y a pas de problème. D'accord, dans ce cas, écoutez, on peut lancer ça. Je peux contacter M. Panoudi et puis voir ça dans les prochaines minutes. Ah, c'est parti. D'accord, ok, parfait. On a le rendez-vous, donc... D'ici 5 minutes, ils seront là, on peut aller les installer. Ok, donc dans ce cas, dis-leur deux maximum. Hein. Et puis deux personnes de chez vous, venez. Est-ce que vous voulez qu'on arrive après eux, monsieur Kero? Oui, si vous voulez, oui. Bah non, justement, comme ça, si vous êtes déjà là, vous avez déjà mis l'argent sur la table, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, aussi, ça peut donner... Oui, mais ils peuvent aussi se douter d'une petite manigance si on est là en premier. Oui, c'est sûr aussi. Ils peuvent arriver après et puis parler business quand tout le monde est là, d'accord? Au pire, ok, ça marche. On vous enverra un message quand vous pouvez débarquer. Par contre, évitez de vous remarquer. Oh non, ça roule. A tout de suite, monsieur. A tout de suite, monsieur Kero. Va à gauche là, Reggio Lopez, va à gauche. T'as Kero qui m'a dit de venir dans 3 minutes. Ouais, par contre on peut courir les gars. Sinon on est là pour jusqu'à demain matin arriver à l'entrée. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Mettez-vous l'un après l'autre, s'il vous plaît. Hop, monsieur en premier là. Votre nom et votre prénom? Monsieur José Lopez.
D'accord, levez les mains. Ah, c'est quoi pour lever les mains? X. Hop, X. Je vous fouille, je vous retire vos armes. X du clavier, sinon tu l'élimines. Vas-y, vous pouvez rentrer, monsieur. T'as pas... T'as même pas besoin de mettre le prénom, s'il vous plaît. Ah, Tony Lopez. D'accord, levez les mains, s'il vous plaît. Je vous retire le gun que vous avez à la ceinture. Bonjour. Je vous retire vos armes. Vas-y, vous pouvez rentrer. Pas de soucis. Ah, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Moi, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Vous allez bien? C'est le Joe Lopez. D'accord. Je vous fouille. Je vous enlève vos armes. Ouais, oui, servez-vous. Voilà, c'est bon, vous pouvez rentrer. Merci. Et monsieur, là? Salut. Ah, bonjour. Ah, moi, c'est... Eh, ça va Lopez. D'accord. Levez les mains. Pareil, je vous fouille, je vous enlève vos armes, vous pourrez les récupérer à la sortie, hein, vous le direz à vos collègues. Vous venez me voir à la sortie, okay, je vous redonne vos armes. Allez-y, vous pouvez y aller. Je vais aller chercher, deux personnes, hein. comme ce monsieur. D'accord, parfait. Attends, Joe. Il va venir nous chercher, par contre, une fois que je suis en bas, moi je coupe le micro Discord. Vous êtes en haut ? Ah, monsieur Lopez. Ah, monsieur Lopez. Vous êtes où, là ? Ah, monsieur. Alors, descends. Vous êtes là pour le business. D'accord, levez les mains. Ouais, tout à fait. Vous enlevez vos armes. D'accord, alors vous avez été fourré. Retire ce que vous avez sur vous. Deux personnes sur monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez aller récupérer la sortie, vous inquiétez pas, tout est mis en. Tout est là. Allez-y, vous pouvez y aller. Il y a deux personnes devant vous, monsieur Vlad. Nous, Smoke, on va rester ici là. Ah, vous restez là. Bonjour, monsieur. Ah, mais c'est moi, Ice. Je sais. Voilà. C'était une petite blague là, dessus, faut rigoler hein. Ouais. Viens à gauche, viens à gauche. Mais carré, bonsoir, bonsoir. Monsieur Kiro. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien aussi? Ça va, merci, et vous? Ah, pas mal. Très bien, merci. Bonsoir, monsieur. Voilà, comme vous pouvez constater, comment dire. Attendez. Bonjour, non. Eh. Vous êtes qui, monsieur? Yes, oui. Toto. Vous faites quoi ici? Totorina. Remontez, monsieur, remontez. Vous connaître, monsieur? Quelqu'un ici connaît monsieur là? Oui, derrière Prot? Oui, oui, je vais tout partir là. Ah, d'accord, monsieur, ok, parfait. S'il vous plaît. D'accord, ok. Oui, donc, comme vous pouvez constater, comment dire-vous, être là, ici ce soir, par rapport à marché. Ah, mon avis, Smoke, le carré 5, vous pouvez là, voir le stick de votre établissement passant sur le marché. Et comment dire, on a décidé, nous, de réunir tout le monde pour parler business. Bah écoutez, on vous écoute, hein. D'accord, donc voilà, comment dire, nous voulons savoir combien vous êtes prêt à proposer pour marché de thé. Voilà, j'ai, comment dire, exprimez-vous. Par contre, une personne parle à la fois parce que, comment dire, j'ai pas envie que les oreilles sonnent. Allez-y, je vous en prie, ça, qui veut prendre parole? On vous laisse commencer, monsieur. Ça fait plaisir. Ok. Mais en fait, j'ai bien voulu savoir. Moi, je peux poser 650 000 dollars, monsieur Kiro, si ça vous intéresse. D'accord. Comment dire, vous de votre côté, monsieur Panucci? Nous, monsieur, on vous proposerait 750 000. Très bien. 750 000, c'est très. C'est une très belle offre. Hein. Ouais, très belle offre, je vous confirme. Très belle offre, oui, c'est vrai. Et, je peux discuter dire, avec mon ami vite fait pour savoir si on fait une offre supérieure ou pas. Oui, oui, je vous en prie, allez-y, vous avez tout le temps de réflexion, hein, comment dire. Allez-y, je vous en prie. Tu veux tuer le Joe deux secondes? Ouais, vas-y, vas-y. Même reste là, deux secondes. Tu m'entends, José? Tu m'entends? Bah ouais. Mais on va pas leur rajouter plus de thunes, je crois que ça leur plaît, gros. On va faire genre, bon bah ça a l'air de nous plaire, et au pire on rajoutera les 50 000, ok? Vas-y, ouais. On leur dit ok, non, ouais, on fait ça. Ça nous va pas, on n'a pas assez, ok? Let's go, c'est bon. On aurait une petite question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, allez-y.
pour la personne qui achètera la zone, le T, on est d'accord que le clan, on va dire le clan d'en face acceptera le fait que c'est pas leur zone. Oui, oui, clairement, oui. Oui, c'est le but. C'est la personne qui remporte marché, sera premier locataire des lieux et de ce fait pourra imposer taxes sans avoir problème avec corporation, par exemple. D'accord? D'accord. Bien sûr, merci. Il profitera de la protection, entre guillemets, de l'aide de la corporation si besoin, vraiment en cas d'extrême urgence. Encore une fois, on n'est pas des mercenaires, donc voilà. Ok, pas de soucis. Donc messieurs, nous on a vu, ça va être difficile d'aller au-dessus de la proposition de ces messieurs. Surtout qu'on a bientôt un bien immobilier sans doute à acquérir. Donc on a besoin de garder un peu de fraîche. D'accord, comprendre. On va les laisser acquérir le bien qu'ils souhaitent et s'incliner. D'accord, d'accord. Donc du coup, monsieur Panuzzi, vous êtes d'accord 750 000 pour le marché T? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, ok. Dans ce cas, nous allons pouvoir signer contrat. Hein. Dans ce cas, parfait. D'accord. On va y aller. Je suis désolé vraiment pour vous, par contre, monsieur Lopez, hein, mais je dois traiter avec ces messieurs et voir par la suite ce qu'il en est, d'accord? Ça marche, c'est normal. Bah écoutez, pas de souci, nous allons prendre congé de la réunion si ça vous dérange pas. Et puis, bah messieurs, merci de nous belle offre, mais bon, comme on a dit, ça fait pas longtemps qu'on est en ville, donc on a encore pas mal de biens à acheter et tout acheter en même temps, ça revient très cher, donc. Nous messieurs, on vous souhaite bon courage et puis on veut pas de problème quelconque avec vous. Bah écoutez, comme vous avez eu l'accord avec monsieur Kiro ici présent, il y aura pas de problème avec nous. On vous laissera tranquille sur votre terrain, il y a aucun souci. D'accord, ben. D'accord, dans ce cas c'est parfait. Monsieur Lopez, je vous recontacte prochainement pour discuter éventuelle collaboration sur autre sujet, d'accord? D'accord. Bah écoutez, pas de soucis. Lopez. Oui. Mon patron m'a dit qu'il vous contactera pour le thé. D'accord. Plus tard. D'accord. On attend son coup. Bah écoutez, on attend votre appel. Vous avez ma carte, hein, je crois que monsieur Papa Ours vous a transmis ma carte. Il nous l'a transmise. C'est ça. Impeccable. Eh bah, bien, écoutez, messieurs, nous allons vous bonne signature de contrat et puis affaires. Bah écoutez, bonne continuation et à vos affaires. Au revoir. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Bien, messieurs. Monsieur Panuzzi, je vous demande juste 2-3 petites minutes pour parler avec l'associé. Des termes du contrat, d'accord? Oui. Pas de problème, monsieur, on vous attend. Ah, mon pélo, t'as eu le thé là? Ah non, j'ai pas eu le thé, je t'expliquerai. C'est cher. Ah, vous voulez, putain. On peut aller chercher l'argent. Non, on sort. Monsieur Cube, passez une bonne soirée. Je vous redonne. Oh, j'avais pas vu. Je vous redonne toutes vos armes. Ah oui, je suis parti comme un fou. Ok, merci. S'il vous plaît. Merci, monsieur Cube. On va passer une bonne journée. Ah, bonne vous journée à vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir. GG, mon José. Au boulot, les gars.